Ce soir, nous vous accueillons, nous vous emmenons chez Marie Mercier, qui est la plus grande modiste de Paris et qui fête ses 60 ans de travail, de création. Oui, j'ai 70 ans aujourd'hui. J'ai commencé à faire des chapeaux pour moi. Je n'ai pas du tout pensé que ça allait m'amener à avoir un magasin, des magasins, les employés. C'est un engrenage fatal, on va dire. Marie Mercier, par là, tant pour Paris, on n'entend plus que ce nom-là. Voilà, alors la lumière passe de tous les côtés. C'est un petit exploit technique, on va dire. Tout le petit ameublement. Oui. C'est le « ça me suffit ». L'inspiration, ça peut être le cubisme, le surréalisme. Bon anniversaire, vraiment. Alors c'est la muse immobile, c'est une veuve qui ne bouge pas. C'est moi quand je suis figée. Bon anniversaire, Marie. Ah oui. Ça se vend très bien, mais on est quand même 8 à l'atelier, plus toutes les vendeuses. Un des garçons qui travaille là-bas. Vous êtes content de travailler pour Marie? Oui, bien sûr. Ces chapeaux construits comme ça sont fragiles, forcément. Il y a des pièces collées, des pièces cousues, il y a tout un montage. Bon anniversaire, Marie. Alors là, c'est le moulin qui donne l'heure en même temps. Et pourquoi un moulin donnerait-il l'heure? Pourquoi pas?